Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Les enjeux climatiques, l'environnement, ce n'est pas qu'une affaire de diplomatie, c'est même la première préoccupation des Français selon un sondage que vous dévoilez ce matin dans Les Échos. Sondage Ipsos, oui, l'environnement arrive en tête avec 42% en tête des préoccupations des Français devant le pouvoir d'achat, c'est la surprise, devant la santé, devant l'emploi également. On peut se dire à la lecture de ce sondage qu'il y a une vraie bascule de l'opinion. La question du climat suscite des inquiétudes dans toutes les couches de la population, avec bien sûr une sensibilité plus forte des moins de 35 ans, les plus concernés par les dérèglements à venir. Alors le constat est partagé. En revanche, quand il s'agit de trouver des solutions, c'est là qu'il y a plus d'ambiguïté. Ben oui, parce que les trois quarts des Français pensent que c'est en modifiant notre mode de vie qu'on trouvera des solutions. Un quart seulement mise sur le progrès technique. Il y a une vraie défiance à l'égard de solutions technologiques qui pourtant peuvent changer la donne. Il n'est pas de bon ton, par exemple, de dire que le nucléaire est une option pour réduire les émissions de CO2. Les Français sont aussi les champions du monde des recours juridiques contre les éoliennes, qui est une autre solution technologique controversée. Et s'ils se disent prêts à modifier leur mode de vie, ils sont contre des mesures comme la taxe carbone, dont le but est justement d'orienter les comportements. Vous voyez, entre la prise de conscience et la vraie vie, il y a un gap. Et si la COP25 sert à quelque chose, à défaut de produire des résultats, eh bien c'est de faire de la pédagogie, parce que ça, on en a encore beaucoup besoin.